I've been spending time thinking about the time I spent on things that I despise, and all the sleepless nights, ambition cast aside for TV and wishing and dreaming. Bonne année! Bonne année tout le monde! Bonne année! Bonne année! On reprend les vlogs dès le tout début de l'année, dis donc. Très motivée. J'ai voulu donner un petit thème à ce vlog et donc faire un peu des trucs en rapport avec l'art. Je vais repartir sur le thème des petites to-do list, choses à faire. Je pense que ça peut être pas mal. Ça permet de structurer un petit peu la journée. Je suis très comme ça, très carré. Aujourd'hui, on va aller dans un quartier qui mélange un peu. Il y a des galeries d'art, des cafés, tout ça. Et on n'a pas encore déjeuné, donc on va aller prendre le petit déjeuner là-bas. On a faim. Donc je me dépêche de faire cette intro. Je pense aussi continuer un dessin que j'ai commencé. C'est un Do This In Your Style que j'ai presque fini. Donc je vais essayer de le terminer, de vous mettre le process. Je me suis dit que ça peut être sympa aussi de vous montrer un peu mes dessins de temps en temps. Cet après-midi, on bougera vers un autre quartier qu'on n'a pas vraiment fait. On est juste passé une fois de nuit, donc on ne voyait pas grand-chose, mais il y a pas mal de fresques, il me semble. C'est Iwa. Et pour aujourd'hui, je crois que c'est déjà pas mal. J'aimerais bien aussi me racheter un stylo parce que, vous voyez, j'ai un magnifique calendrier que j'ai reçu. Et j'ai envie d'écrire dedans, mais au vu du papier, je pense que mon stylo Bic qui commence à vieillir n'est pas optimal. Donc je vais me racheter un beau stylo pour commencer à écrire dedans. Si jamais vous voulez l'acheter, il en reste encore quelques-uns. C'est sur la boutique de Lodge, je lui fais de la pub gratos. Mais en même temps, regardez ça, ils sont tellement cute. Il y a plein d'autres élus. Voilà, tous les autres mois. Je ne sais pas du tout montrer. Voilà. Par exemple. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis là parce qu'il n'y a pas vraiment de crochet dans la maison. Merde, désolée. Il a rien. Ok. C'est bon. Petite jupe, trouver un friperie, c'est trop bien d'avoir trouvé une friperie, merci Zoé qui l'a trouvé dans le souterrain de Gangnam. Je crois que c'était que des articles qui venaient du Japon, donc en soi c'est pas loin, parce que vu les étiquettes, c'est la beauté. Just to be clear, I admit to all of my crimes. You know I've been a fool so many times. When a hopeless romantic finds love, he's bound to start looking in places that he's not gonna find hope at all. I'm always gonna fall. It's not so hopeless after all. Not so hopeless after all. You gotta get rid of this guy. But ultimately, you know, he's just done such a poor job. And now he's true. I was a kid with a broken brain, singing, well, I guess it's not so hopeless. Begging, please let it work that way, and give a little light when it feels so hopeless. I killed a few years in the basement, singing that I found. Not that tonight, dream about.
On a bien mangé. On a bien chillé. J'ai bien dessiné, j'ai fini mon dessin. Bon, c'était un peu dur de faire des plans où on parle là-dedans vu qu'il y a quand même la musique juste à côté. Mais c'était très cool comme café, super grand et puis très sympa avec des belles installations un petit peu partout. Maintenant on va aller marcher un petit peu et ensuite on reprendra le métro pour aller à Haiwa. Pouvoir compléter mon calendrier à partir de maintenant, mettre quand les gens arriveront. Ouais, ça va pas tarder donc. Comment le logo? Oh non, c'est une petite pomme. Oui, c'est trop mignon. De grands pas. C'est le mardi et jeudi soir de 10h30 à 20h. En visio du coup. Ouais. Je vais pouvoir progresser, ça va être bien. Un peu ce qu'il y a dessus. Ouais. Tu peux me passer le NFP, je vais le sentir. Ça sent vachement fort. Ça sent toi? Je sais pas, dis-moi. Pas vraiment. Non. Ça sent l'adulte. Lucky item, tu peux. Punaise, t'as ma Gucci, moi. A-t-elle craqué? Oh non. Non mais attends. Non mais s'il te plaît, par contre. À quel moment tu peux avoir ton petit... ton petit BTS, regarde.
ce magasin. On est resté si longtemps devant les figurines. Et qu'est-ce qu'on a fait? On en a acheté. Oui. Faudra faire un reveal, mais j'ai peur que ce ne soit pas celui que je veux. De retour à l'appartement. On va enfin découvrir ce qu'il y a dans ces boîtes. C'est un peu éloigné du sujet de base hein, qui était l'art. Ah non? Je suis désolée, ça reste de l'art. C'est artistique. Ouais, grave. Ah ça, il y en a du scotch, hein. Comme ça on peut pas savoir ce que c'est. Hein. Moi aussi j'ai peur. Je ne sais pas ce que je vais avoir. Ça regarder. Ah, non, c'est encore dans des plastiques, ouais. Genre tu peux pas encore le voir. Moi c'est un transparent. Oh putain, c'est lui. Je te le dis. Autant de shots, je suis choquée. Et c'est parce que j'ai fait la technique de secouer pour... Il a l'air plus lourd. Il a l'air... C'est trop bien. C'est où? David Bowie. David Bowie. Trop bien. Ah, ils sont vraiment trop bien. J'aurais dû en prendre un aussi. Franchement... Je suis choquée. Il y a un bref, ça va se réaliser. Il y a un bref. Waouh! Tada! Bonjour! Bonjour! Okay. Les enfants d'un con! Profitez-en! Voilà. Finis pas des phrases, c'est tout! Parce qu'elle va chez quoi faire demain, c'est ça l'histoire. Voilà. La prochaine fois que vous la verrez, ce sera une autre personne. Mais donc oui, c'était pour conclure cette journée. Tu lances le jingle de fin. Y'a plus de jingle de fin. Bah non, c'est pas un podcast. Mais surtout que c'est pas la fin. Genre, le vlog va continuer. C'est vrai. Bientôt. Très bientôt, juste après. Bonjour. En soi, il est déjà presque 15h. Et bon, ce matin, j'ai fait du yoga, après je suis allée chercher un peu à manger. J'ai fait un petit English breakfast, ça faisait très longtemps, ça faisait très plaisir, c'était très bon. Et voilà, tranquillement c'est préparé. Le programme c'est d'aller au musée d'art contemporain, ensuite de faire un café où la déco elle est toute en 2D. Je pense que c'est un café qui est déjà très connu mais on l'a pas fait, donc ça peut être l'occasion. Juste avant, je vais commencer à écrire dans mon calendrier. Parce que ça y est, j'ai acheté les stylos, donc je vais pouvoir commencer à écrire un peu dedans. Ah, c'est pas vraiment de l'art, mais je vais essayer de faire des petits dessins mignons. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Fais une petite bougie du coup. Il faut écrire vraiment tout petit. I want you to know how I feel. Sûrement déjà revenue en France. Moi toute. J'aime bien parce que mon moi a quand même l'illustration la plus stylée. C'est pas mal. Je pense qu'on va laisser comme ça. C'est pas trop mal. Je peux donc le remettre à sa juste place. Et voilà. Impeccable. Ah oui, vous l'avez pas vu avec ses nouveaux poches. Regardez-moi mes petites têtes. Oui. C'est juste trop agréable de faire ça maintenant. Bon, et si on y allait? Oui. Je trouvais pas qu'il est vachement beau son foulard. Je le trouve aussi. C'est un cadeau d'Oran. Non, c'était le Père Noël. C'est pas moi. Je sais pas si je mets ça parce qu'en fait il fait quand même assez chaud. Ouais. Il fait 4 degrés. Hein. Ouais. Et c'est chaud aussi. Ok. On a vu que dans la semaine. Non, la semaine prochaine il va faire 10 degrés. Oui. Et on va se mettre en t-shirt. Mais oui. Et j'ai jamais essayé de mettre ma casquette à l'envers. Casquette à l'envers. Je me suis pris les sourcils. Mais c'est beaucoup trop serré. Comment c'est possible que ce soit serré alors que c'est la même taille?
bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Bienvenue au McDo. Alors, ce sera un menu McFirst, s'il vous plaît, avec un coca ainsi que des potatoes, merci. Ouais, bon choix les potatoes. Voilà officiellement le musée. Oui. On a 2 heures à peu près, je pense, qu'on peut faire. Voilà. Voilà, on a fini le musée. Enfin, on a fait que les expositions temporaires, c'est ça? Enfin, les spéciales. Ouais, special exhibitions. Bah, du coup, ça veut dire qu'on y retournera potentiellement une autre fois pour faire les expositions permanentes. En tout cas, c'était quand même vachement sympa. Tu m'as aimé? Oui. Oui. Hashtag exposition, là, elle était bien. Ouais, bah, ce qui est pas mal, c'est qu'il y avait pas plein de trucs différents au final. Oui. Et maintenant, on va se diriger vers... Un café très stylé, c'est une surprise. Je crois que je l'ai déjà mentionné ce matin. Oui, on va aller prendre une petite boisson. Vous avez tout oublié. C'est là. On est arrivé au Kurim Café. Let's go. Un peu tiramisu quand même. C'est vachement bon. Moi, tu vois, c'est du Nesquik. Trop bon. Ça passe des musiques Disney ici. Voilà. C'est sympa, c'est tout. Merci d'avoir suivi ce vlog. Et puis, j'espère que ça vous a plu de voir un petit côté un peu artistique. D'activité à faire à Séoul. Du coup, bonne journée, bonne soirée à vous également. Et bisous.